Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui nous continuons Dead Space. Donc nous sommes à l'épisode 11, dernier espoir, et donc avant-dernier niveau aussi du jeu. Donc on verra s'il est long aussi. Je sais que là je vous ai posté enfin, pour les deux dernières semaines des vidéos très longues, mais c'est des niveaux qui sont très longs aussi, donc en conséquence, bah voilà. Hein. Monsieur Clark, je m'approche du hangar des vaisseaux. Il faut atteindre la zone de chargement. Le monolithe, il est stocké là-bas. Vous allez voir un élévateur qui vous permettra de déplacer le monolithe vers le hangar. Pitié, vous devez m'aider à le faire. C'est le seul moyen. Bon, déjà, tout ce qu'on sait, c'est qu'on va devoir faire gaffe à ce satané gros monolithe, donc qui est un artefact assez particulier, hein. Comme on le sait depuis un bon bout de temps. Hein. Ok. Ouais, je pense qu'on peut en vendre des trucs. Alors. Je vais regarder combien j'ai de stase. Alors déjà, j'ai des trucs ici que je peux vendre. Bon, ça, je peux vendre. Combien j'ai de stase? Ouf, fatch! Au moins j'ai 50 000 tranquille. Regardez-moi tout ce que j'ai. Oh, c'est hallucinant. Alors. Non, c'est peut-être pas ça que j'aurais dû faire. Mais c'est pas grave. Les soins moyens, bon, on va les prendre. Ouais, maintenant, ça va être tout juste. Voilà. Donc là, on a pris le maximum de points force. On va essayer d'améliorer. Le module, je l'avais amélioré à fond. Bon, de toute façon, là maintenant, pour où on en est, ça servirait plus à grand chose, mais bon. Je regarde un petit peu. Ça augmente que de 1. J'aimerais bien augmenter quelque chose. Ouais, ça, c'est même pas la peine. On va pas l'augmenter. Par contre. Voilà. Je privilégie de la force. Donc maintenant qu'on a fait nos... Wow. Qu'est-ce qui s'est passé là à l'instant? J'ai pas compris. Wow. Donc il y a eu un mort. Il y a rien. Ah, il y a plus. C'est quoi ce bordel là? Je peux plus utiliser mon arme. Ah. D'accord. Il y a vraiment plus de munitions sur cette arme. D'accord. Ok. Un truc qui va m'arriver sur le coin de la gueule, je sens. C'est là-bas. Ok. Je pense que c'était ici, bon, c'est pas grave. Donc là, on s'approche véritablement de ce satané monolithe.
Non, mais normalement, t'as même pas le. Oh. Voilà. Au moins, toi, tu nous laisses tranquille aussi. Il s'est fait découper. Ce cutter plasma, franchement, je l'aime bien. J'avais déjà fait, comme je vous avais dit, hein, le jeu avec. C'est assez impressionnant d'utiliser qu'une seule arme, mais bon, quand vous devez faire ça, je vous assure que les munitions, vous les comptez. Hein. Vous vous laissez pas faire comme ça. Ah, un point de force. Bien fait d'aller là, parce que ça vaut quand même 10 000. Hein. Et 10 000, ça court plus des rues maintenant. Donc je suppose qu'ils veulent nous faire aller complètement là-bas. Ouais. Ainsi, nous allons décharger le monoïde. Alors. Donc voilà ça. Ça, c'est le monolithe. Voici les amis, ce que nous devons charger. Oh merde! Tu crois que tu vas me faire peur? Par contre, t'évites d'ouvrir l'autre. Ce serait gentil. Encore? Lequel tu veux? Celui de droite ou celui de gauche? Merde. Waouh, putain, y a du peuple. Celle-là, tu l'as pas loupé, mon petit. Ah là, il faut être truffé d'astuces. Oh le fufu. Ok. Si tu veux. C'est comme ça que vous voulez jouer, ouais, pas de problème. On sait comment. Eh bien sûr, ça marche pas comme ça. Il est où ce truc? D'un coup je le vois et après je ne le vois plus.
Attendez. Oh là là. Et vous allez me dire, je dois y aller tout. Bon, ouais, au corps à corps, ça va être impossible. Hein. Mince. Trop lent, apparemment. Oh putain. Oh fetch. Oh bah maintenant faut y aller. Hein. C'est bien. Faut finir. Livraison du chargement 7, 8, 2, vers le haut. Le monolithe est dans le hangar. Vous pouvez la placer dans la navette. Faites vite. Je voudrais bien vous y voir. Putain. Ok. Ah. L'ascenseur en état de marche. Monte-le jusqu'au hangar et embarque le monolithe dans la navette. Je vais me rendre au point de lancement. Mon Dieu, j'espère y arriver entière. Dieu nous garde. C'est pas Dieu qui va nous garder, va. C'est le monolithe qui vont vouloir nous défoncer. J'ai vraiment pas beaucoup de munitions. J'ai quoi encore? Très très limité. Non, si j'utilise tout de suite un point, je vais l'avoir dans l'os, donc on va éviter. Là, c'est vraiment tactique de chez tactique. Bon, on va regarder, on va prendre un seul soin max. Ouais, quoi que deux, on sait jamais. Je crois que là on va commencer à se déplacer des petits trucs tranquillou hein, parce que non, pour le coup là je peux pas vraiment parce que c'est vraiment des armes, des bonnes armes que j'ai dans un sens bon, je peux pas les laisser non plus comme ça. On va voir, ça passe ou ça casse. Là ça risque d'être comme ça. J'espère honnêtement que ça va passer plutôt que casser parce que je vais pas l'avoir dans l'os. Il va encore m'arriver une bricole ici.
Ok. C'est au niveau du départ, ça. Anomalie dangereuse détectée. Putain. Activation 40. Non, non, il va m'arriver une grosse bricole, je le sens. Voilà, y a déjà les autres que j'aime pas. Encore un d'ailleurs. Eh ben, les décors, il y a ce l'enfoiré. Donc là, on revient vraiment au point de départ, en fait. Ok. Hop. Bon travail. Je vais préparer la navette. Mais restons prudents. Très prudents. D'accord. En gros, faut aller de l'autre côté. Ok. Le SG Ishimura. Et normalement, ici, nous avions notre vaisseau qui n'y est plus. Il y a juste les débris, les coups que le vaisseau a subis, c'est tout. Ok, donc c'est bien par là. Donc je ne sais pas si ce niveau va être long. Je peux vraiment pas vous le dire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai pas envie de mourir. On aura déjà bien combattu dans le jeu. Tu veux? Entrée zone sans gravité. Un mini kit de soins et bon, ça fait déjà deux petites choses. Par contre ici, merde, j'ai fait le con. Je suis pas droit, donc du coup je sais pas où ils sont. Oh putain, merde. C'est bien, bougez-le pour moi. Et mais ils prennent pas de dégâts là, ça me casse les pieds. Ok. Voilà, les tout petits sont pour le moment KO. On a des munitions encore de fusil d'assaut. À croire qu'il n'y avait pas assez de choses, je sais pas. Oh, c'est une munition peut-être, je sais. Franchement j'en ai aucune idée là. Parce que vu qu'ils nous mettent que un seul type.
Quoi ce bordel? D'accord. Pourquoi d'un coup il veut pas? Je sais pas, il veut pas d'un coup. C'est un rude bordel, c'est un truc. Hop là, au moins, on utilise un peu notre télékinésie. D'ailleurs, combien il me reste de soins? Ouah, ça va, je suis pas encore trop maigre en soins. Le pire. Je vous assure que c'est chiant ce truc-là, là. Genre, faut. Voilà, faut faire ça pour être content, tac. Après, faut le pousser, parce que sinon ça va pas. Oh, putain! Laissez-le! Putain, j'ai dit laissez-le! Dégage. Ok. Toujours c'est le petit truc comme ça qui pousse le module quoi. Alors, du coup, oh, ce putain de fucking module, je dois aller par là. Attends, vous me laissez faire. Ok, attends. Très bien, c'est en position. J'ai encore quelques problèmes avec ces commandes. Isaac, rétablissez la gravité. Je devrais pouvoir charger le monolithe. T'inquiète pas, c'est ce que j'avais pensé à faire. Sortie zone sans gravité. Chargement 7, 8, 2 en cours. Elle est à bord. Vite, rejoignez-moi. Ensemble, nous pouvons arrêter la reine mère. Nous pouvons la stopper. Enfin. Ok.
n'y a pas de temps à perdre. On doit le faire. Wow! Non! Sérieux, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, Isaac. Mais je ne peux pas le laisser partir. Je devrais le remercier d'avoir trouvé le monolithe. On a même réussi sans l'aide de l'USM Valor. Ton aide m'a été précieuse, elle aussi. Mes supérieurs ont cherché cet endroit tellement longtemps. Kane n'a pas tout compris. C'est le gouvernement qui est responsable. Toute cette planète n'est qu'une immense expérience. Le monolithe, cette relique divine, l'œuvre des hommes. Une pâle copie du vrai monolithe découvert sur Terre il y a 200 ans, qui était vraiment d'origine extraterrestre. Ils l'ont déterré, étudié, puis ils l'ont copié. Ils l'ont amené sur Aegis 7 et ils l'ont activé. Le résultat est là. Un vrai cauchemar. Ils ont scellé le tout. Il n'y avait rien d'autre à faire. Et puis la compagnie est arrivée sur la planète et a fourré son nez partout. L'expérience était toujours en cours. Kain disait vrai sur la reine-mère. Le monolithe la contiendrait, mais peu importe. J'ai le monolithe. Et ce vaisseau peut bien aller en enfer. Pour ce que ça vaut. Ça a été vraiment super, Isaac. À bientôt. Ou peut-être pas. Isaac, c'est Nicole. Nous avons besoin d'aide. Tous. Vite. Je suis dans la salle de contrôle. Oh, vite, Isaac, vite. Pitié. Je t'aime. Bon. Bah là, franchement... Quelle traîtresse! Elle mérite la mort. La mort par le tchétché. Saloperie, quoi. On a fait tout ça pour aller au casse-pipe et se faire limite détruire. Waouh! Ça commence bien. Détruire juste pour une saloperie de monolithe à la con là. J'hallucine. Attendez, je vais tester mon arme. Allez. Allez, ça c'est fait. Comme je vous l'ai dit, ceux-là ils peuvent vous one-shot. Hein, si vous les tuez pas, les gros. Vous pouvez pas les vous en échapper. Donc là, on est bien obligé de. Bah, je fouille un petit peu aussi. Hein. D'accord, j'ai plus du tout de munitions. Je suis vraiment à la dèche. En gros, il me reste plus que cette arme. Ok. Ah non, il reste encore le trancheur, mais bon, le trancheur c'est très très lent comme arme. C'est pas la cadence de tir qui m'inquiète, c'est surtout la distance. Est-ce que c'est bien toi ? J'ai cru ne jamais te rencontrer. Désolée, je suis terriblement désolée. Je ne voulais pas te faire de peine. Devons la ramener, Isaac. Tu peux piloter la navette depuis ici. Elle a combien de barres de rig, elle ? 6. Ça gère. Bon, on y va. Hein. Isaac, qu'est-ce que tu crois pouvoir faire ? Tu commets une grave erreur. Ce n'est pas fini. Captain,
Capsule éjectée numéro USG09. Je répète, capsule éjectée de la navette. Donc du coup là on doit se dépêcher. Donc normalement la navette est toujours équipée du monolithe. On va y aller. Ou alors elle s'est échappée. Dis donc, j'en avais des munitions. On y est, on est dans la navette. Et ben voilà, donc on a fini Dernier Espoir. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouvera donc pour une prochaine, pour de prochaines aventures dans Dead Space. À mon avis, ça va être le dernier épisode. Donc je vous dis à très bientôt. Salut à tous.